Bonsoir tout le monde. Nous venons parler de PPP loan et Paycheck Protection Program. Un programme qui est fait pour small business. Donc on est en pile haïtien là-dedans. Moun 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Par contre, qui va aller qui ou te gen tan pran la dan information ça vous aurez ou bien sou gon zon moun ki la dan pou ka comprendre. Et en fait nous surtout a parler de moun ki te pran loan en 2020. C'est yon question pa date 2020 année dernière. Sou fè pran pour la pour 2021 date pour la pa concerne. Maintenant moun ki te pran loan pour 2020 nous vle fè ou konnen que lè ap approché pour yo faire application pour forgiveness application pour capable j'en moi dit à pardonner yo comme quoi pour dire ou pardonner encore comme la tout fait attendez bien son application il pas obligé non sous pas fait ça et bien l'onoan la vine permanent et business one a responsable pour remettre comme ça back avec intérêt vous aurez bien PPP loan qui veut dire Paycheck Protection Program l'a automatiquement converti dans sa un loan standard à 1%. Si ou même captain dem là small business ou t'es appliqué dans 2020 et que ou pas fait application pour loan forgiveness à travers SBA qui c'est institution pour small business pour capable pardonner 10 mois avant période loan. 10 mois avant, vous entendez? J'ai dit c'est pas date là pour t'en arriver, il dit que ou obligé faire 10 mois avant fin période là. Pour pas pile dans business ça, et ça te prend bonnet, là ou te fait lancer là en avril. Ou te baillo 8 semaines de période côté que ou capable mettre deadline. Mais deadline capable dans mi-temps juillet. Donc pas nous rentrer dans juillet, nous oublier tout ça. Puis for loan qui t'est fonctionné pendant 29 semaines période ça, deadline capable septembre. C'est 10 mois. Et 10 mois avant période là. Expert dit small business ou a gain pour appliquer pi bonnet c'est grand matin appliquer pour forgiveness ça pour éviter des coûts nécessaires par rapport à loan 2020 on a parlé as soon aussi que possible que vous ka fait application ça ou t'as supposé faire pour capable move avec bon bien pas bien impressionnant mais normalement moun ki te fò jwenn kòb la c'est lui qui t'a responsable pour faire application pour forgiveness là OK. Et d'après SBA, institution qui est responsable pour small business, data que yo gagnen, data depuis 24 mai, pas bien en juillet, montre que il y a à peu près 2 millions small business qui gagnent pour submit PPP loan pour forgiveness, 2 millions. OK? Dans un total de 5.2 millions qui ont été faits pour 2020. Pour PPP loan qui t'est fait avant 1er juin, avant 5 juin, tout le monde qui t'est fait PPP loan avant 5 juin, nous t'es ouais, nous t'es ban, nous terme pour 2 ans. On a parlé de 5 juin 2020, c'est pour 2 ans. Ça veut dire 2 ans pour arriver là. Alors que ça qui t'est fait après 5 juin, c'est 5 ans. 5 ans. OK? 5 ans pour tout le monde qui t'a fait après 5 juin 2020. Donc si vous même vous t'a fait vivre loan par là après 5 juin 2020, vous pas besoin inquiéter, vous pas besoin, vous gain temps toujours parce que vous dit c'est 10 mois avant terme mois. OK? So ou là pour n'importe 2025, 10 mois avant 2025. Mettre ça dans tête tout. Ça est pour le monde qui t'a fait application et avant 5 juin ou non, 10 mois pour 2025. Bien que yo di yo capable bon moun ki te fait pour 2 ans yo
li ka posib pou etan maturite dat loun an le sobral wè avèk lenders la ou negosye avèl pou yo etan ni. Bonbon yo ka ba oul kon sa. La nan pa de se video sa surtout urjans lan li surtout pou moun ki te antre nan pipi loun avan 5 juan 2020. OK? So, de pou te antre nan pipi loun avan 5 juan 2020 et donc presse presse la fòk ou kon sa ou pral fè puisque li vle di autrement sou rechita ap gade ou riske pèdi possibilité sa son bèl possibilité et $20,000 nan mon et puis pou yo forgive li men ou bien di ou pare tan ankòr donc jwenn avèk moun ki te fò jwenn kòb sa a pou di yo di m lè ap pral rive sa ka pase men sou te fèl apre 5 juin et ou kapab parce que ou la pou 2025 je crois ou konprann ou genye tan toujou devan donc ça important et m souhaite que nou konprann ça et parce que m konnen an pil nan nou bien passé nou bien passé dans cause pipi loun ça OK et yon précision que m devle fè pour child tax credit il me semble yo te fin di se pour 28 juin qui dernier délai pour moun ki vle et opt out dans programme child tax credit là IRS ban nou pour jusqu'à 5 juillet so nou gen jusqu'à mardi comme deadline n'a parlé pour moun ki ta vle retire koyo ki di yo pa nan koze et kob child credit pa mwa men et nou bon pou ki rezon ne t'explique ou bien diferent rezon ki fè kon moun ka chwazi opt out et hier nan émission kon moun ki te pose yon question assez intéressant sou gen ti moun ki pral chanje l'âge an da dou te gen ti moun ki gen 17 ans et bien et avant décembre l'ap gantan gen 18 ans ou kon sa vle di y a voye kob 17 ans pou men piske l pral gen 18 ans zanmi pa lò pral fay tax pou 2022 pise y pou ane 2021 depi l gantan term 18 ans ou konprann depi l gantan term 18 ans pou 2021 sa la donc tout kob yo te ba ou pou li yo et yo pral pran l bak ou konprann so c'est des options de ce genre ouais l'âge la compte mais il y a plusieurs autres raisons tout nous parler sous senti que pral gain des changements dans taxe ou par rapport à gens qui fait dans parce qu'il y a pas information par ailleurs yo il dit y a pas information 2020 si pral gain des changements qui pral affecter child tax credit il est bon que ou opt out ou yo il est on enroll ou pas enroll donc c'est très bien pour le fait que yo bail nous là jusqu'à 5 juillet justement pour nous capable et opt out donc décider rapidement pas oublier que capable update banque ou tout et nous dit puis devant et y a pas bon ajouter ti moun 2021 moun qui besoin ajouter ti moun 2021 OK so donc voilà guys m'te voté update ça pour nous m'souhaiter que n'a utiliser à bon escient c'était un véritable plaisir bye bye tout le monde.